Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve bien pour faire un nouveau Let's Play. Et oui, ça fait longtemps que j'avais pas fait Pokémon Ranger. Je l'ai fait une seule fois, c'est le tout premier. Ça va être génial. Bonjour tout le monde. Salut Speedix, Gilles, salut The Titan, salut Basile, salut Madness. Salut moi-même aussi parce que je m'aime, je m'adore. Salut Boom bien sûr qui est sur Twitch et YouTube en même temps, mais c'est incroyable ça. Salut Franzugo Yukari, salut Vandal, salut Zach, et salut Leila Neko. Non, le mug, eh oui, le mug est tombé. Rip. Voilà, salut Psychari allemand, on va faire des cercles avec son sexe. Non, pas du tout, avec ceci. C'est un stylet. Ah, c'est un stylet de 3DS, non d'ailleurs, parce que j'ai plus le stylet de DS. Salut Ryanel, salut Zeru. Et alors, du coup, normalement,
Si je me suis pas planté, ouais non je me suis pas planté, l'écran que vous avez à gauche, c'est l'écran tactile. Et l'écran là, c'est l'écran du haut. Voilà. Incroyable. On va pouvoir jouer. Une partie, nanana, nanana. Alors non, 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 voilà. Parce que j'avais certainement joué, oui, voilà. On efface tout. Nous, on fait une nouvelle partie, nous, tu vois. On va les mettre comme ça. Oh, attends. Si vous en seriez une nouvelle, l'ancienne sera effacée. Oui. Voilà. Allez, c'est parti, on est rentré dans le vif du sujet. Tu désires sincèrement aider les gens. Tu as les cafés qui ont requis pour être un... Je vais mettre le jeu devant moi. Enfin, la capture. Invitation. Ta forte motivation pour devenir un ranger. Ton mode de vie en harmonie avec les Pokémon et ton désir de protéger la nature. L'aide que tu apportes à ceux qui en ont besoin. Ton entraînement physique. Tout ceci ressort bien des 7 lettres que tu m'as envoyées. J'aimerais te rencontrer. J'aimerais juger de mes propres yeux si tu es apte à devenir un ranger. Je t'attendrai à Automel dimanche prochain. Tu trouveras ci-joint un ticket pour le ferry d'Automel et l'uniforme officiel des Rangers. Ranger. Mais cet uniforme est attend moi au port. Grâce à l'uniforme, je n'aurai aucun problème pour te trouver. J'ai hâte de faire ta connaissance. Cordialement, Elliot. Salut Alonso Seal. On fait du Pokémon rougeur. Ouais. Tu as vu, je convertis les gens à l'art du mimisme. Oui, j'ai vu ça. Alors, on est bien évidemment une meuf, hein. Ouais, clairement, on est clairement une meuf, oui. Oui, 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 oui. Et salut tout le monde, c'est David Lafarge. Ouais, non, mais celle-là, on la connaît. Ça. Tout le monde, c'est David Lafarge. Papa, dépêche-toi. Papa. Popo. On est à Automel. Oh, du calme, on a le temps, hein. Automel ne va pas s'envoler, tu sais, hein. Sans blague. Sans déconner. Je me souviens plus de trop de jeu en vrai. Bah, moi non plus, hein. Je l'ai fait une seule fois. Le jeu est sorti en 2017, on l'a vu, et je l'ai fait en 2017, et c'est tout. Donc on peut se déplacer avec le bouton tactile. On peut avec les croix directionnelles, ok. Bon, bah, c'est bien. Parler aux gens, hein. Monsieur Loclas, le bleu de la mer, l'écume blanche, les vagues. Et ma chemise. Bleue et blanche. Par une aussi belle journée, rien ne me fait plus plaisir que de partir en mer sur mon Loclas. Ouh. Ok. On peut courir? Non, on ne peut pas courir. C'est la vie. Krabi. Biguivik. Ok. Salut Raphaël. D'accord. Hey, vous! Oui, vous! Ce n'est pas la première fois que vous venez ici, n'est-ce pas? Bon, je le sais, parce que vous vous déplacez avec le stylet et l'écran tactile. Il est aussi possible de se déplacer avec la manette. Oui, bah ça, je l'ai vu, ça. Moi, je me sers toujours du stylet pour me déplacer. Ouais, touch generation, comme on dit. Hein. Mais chacun est libre de faire ce qu'on veut. Hein. Allez. Alors, on flex qui dort. Rien ne semble pouvoir la réveiller. Hein. Mais, c'est quoi, ça? C'est quoi? Entrée de la région de Fjord. La ville de Tonnel vous souhaite la bienvenue, office de tourisme. On peut rentrer, ouais, parfait. Eh, la fille aux yeux qui brillent. On était ensemble sur le ferry. D'accord. Vous êtes en voyage? Vous n'en avez pas l'air, en tout cas, mais c'est peut-être à cause de vos vêtements. C'est un uniforme. Bah oui, du con. Bienvenue à Tonnel. Automel est la plus grande ville de la région de Fjord. Le monument le plus connu de la ville est l'horloge de la joie. Elle se trouve au nord. À vous les questions? Bon, c'était mon petit speech habituel. Maintenant, je peux vous parler librement. Dites-moi, pourquoi avez-vous cet uniforme? Vous êtes un ranger? En tout cas, on voit que c'est la première fois que vous portez cet uniforme. Oui, bah, c'est bon, c'est pas parce qu'il sent la soupline que... Ça y est, hein. Je suis un noob. Hein. Excusez-moi, mais est-ce qu'on appelle... Êtes-vous ce qu'on appelle un ranger? Vous pouvez me montrer comment vous faites ces choses-là? Vous savez, les boucles. Ah, vous ne savez pas encore? Ah, dommage. J'aurais bien aimé voir. Je voyage avec ma femme. Ça fait tellement longtemps que je me souviens même plus depuis quand. Ah oui, d'accord. Ah, Giaou. Giaou? C'est un salamèche. Pourquoi il fait Giaou? Je sais pas. Bonjour Madame Ranger. Il y a quelque chose derrière cette caisse. C'est un abo, je crois que je vais tomber dans les pommes. J'ai super peur des trucs longs qui ondulent. Ouais. Allez, touchez pour voir.
Ouais, bon bah, touche, hein. Oh! Un posipi! Incroyable! Waouh! C'était un posipi qui se cachait! Mais bah oui, merci. Je crois que ça reconnaître les Pokémon. Ah, il a peur! Il a peur. Est-ce qu'il va tomber dans l'eau? Non, pas du tout. T'en fous. Ok. C'est le DL. Bonjour! Vous attendez quelqu'un? Si vous avez un peu de temps devant vous, essayez de discuter avec les gens, hein. Ne soyez pas timide, hein. Approchez-vous des gens et avec qui vous voulez et touchez-les avec le stylet. Mais c'est impoli ça de toucher les gens dans la rue comme ça là. Touchez avec mon stylet. Je vais faire. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Je suis le héros. L'héroïne. De même, si n'importe quoi d'autre attire votre attention, n'hésitez pas à le toucher avec votre stylet. Ah, et n'oubliez pas de passer par l'office de tourisme. Oui, bah c'est bon, déjà, c'est déjà fait. Ah, ça doit être Elliot. Oui. Bonjour, désolé de t'avoir fait attendre. C'est toi qui as écrit les lettres, n'est-ce pas? Oui, bah oui. Tu as dit que tu allais me reconnaître, donc oui. Hein. L'uniforme que je t'ai envoyé est un peu trop grand, non? Ah, ce n'est pas bien grave. Hein. Oui, bah dis que j'ai pas de boobs, hein, tout de suite, voilà, hein. Oh, putain. Au fait, je suis Elliot, le ranger en chef de Printyville. Je suis content de te rencontrer enfin. J'ai apprécié notre correspondance. Elle m'a rappelé ma propre ambition lorsque je souhaitais devenir un ranger. Ah, merci. Ah, ouais, merci. Ouais. Ah, suis-moi jusqu'à la base ranger. Comme tu dois t'en douter, une base ranger est le centre des activités des rangers. La région de Fuor comprend 4 villes. Automel, Printyville, Elio, Ilo-Été et Bourg-l'Hiver. Bourg-l'Hiver, nous. Hein. Dans chacune de ces villes, il y a une base ranger. Et comme tu le sais déjà, moi je suis le chef de Printyville. Printyville se trouve à l'ouest d'ici. Ce n'est pas tout près. Nous... J'ai entendu ce cri. Ah, ça vient de là-bas. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il a, mon téléphone? Ah, c'est un démolos. Mon dieu. Je me souviens que d'une chanson de Tokyo Hotel MDR. Je ne sais pas si ça existe encore. Ça ne me dit rien qui vaille. Ce démolos a l'air dans un état d'agitation extrême. Le Posipi a dû l'énerver. Il a dû faire quelque chose qui ne lui a pas plu. Le Posipi, il transpire, hein. Il transpire grosse goutte. Je sais que c'est soudain, mais j'aurais besoin de ton aide pour calmer ces Pokémon. Je te confie ce Capstick. Le Capstick permet aux rangers de communiquer avec les Pokémon et de se lier d'amitié avec eux. Normalement, seuls les rangers certifiés ont le droit d'utiliser le Capstick, mais c'est une urgence. Tu vas capturer le Posipi. Je m'occupe du Démolos. Tiens, prends ceci. Ouais. Oh! Oui, vous avez reçu le Capstick. Votre rêve est en train de se réaliser. Mais je ne sais pas comment... Voilà, vous avez reçu le Capstick, mais vous n'avez pas la moindre idée de comment vous en servir. Je vais capturer les Démolos d'abord. D'accord, bon. Tuto capture. Salut Sandpel, j'espère que tu vas bien. C'est un Démolos sauvage. Oui. Capture go. Je vais t'expliquer comment on doit s'y prendre pour effectuer une capture. Regarde-moi bien. D'abord, tu dois toucher les contactiles avec le stylet. Le stylet. Voilà, il est en train de le faire. Tu peux tracer une ligne sur l'écran tactile en déplaçant le stylet sans le relever. Avec cette ligne, la ligne de capture, tu dois tracer une boucle autour du Pokémon ciblé. L'endroit de la ligne de capture, où tu fermes la boucle, n'est pas important. Waouh. Quand tu entoures le Pokémon ciblé d'une boucle, le nombre bleu apparaît au-dessus. Il faut continuer à tracer des boucles autour de la cible et le nombre bleu diminuera. 4, 3. Il faut continuer à tracer les boucles jusqu'à ce que le nombre bleu disparaisse. Mais il faut faire attention. Si tu lèves le stylet avant la fin, la capture échouera. Eh oui. Ah non, mais Pokémon Ranger 1, c'est le vrai jeu. Hein. C'est le jeu dur. Voilà. Les autres rangers, c'est de Pipicha. Il y a autre chose que tu dois savoir. Oh non! Si la ligne de capture touche le Pokémon ciblé. Oh le bâtard. La ligne de capture disparaît. Il se peut aussi que les captures, le Pokémon cible attaque la ligne de capture. Oh mon dieu, si la ligne de capture est endommagée par l'attaque d'un Pokémon, ton Capstick perd de l'énergie.
Si l'énergie de ton capsule tombe à zéro, tu ne peux plus faire ton travail de ranger. Autrement dit, c'est game over. Je vais te faire une démonstration et capturer Zodemelos. Allez, attention, PGM 1, 2. Sans lever le stylet, il faut tracer des boucles autour de la cible. À chaque boucle, le nombre bleu diminue. Il faut continuer à tracer les boucles jusqu'à ce que le nombre bleu disparaisse. 3, 2, 1, BOUM! Oh, il faut attendre que le nombre bleu devienne orange. Quand un nombre orange apparaît, c'est le moment de lever le stylet. Ah, c'est très important, je préfère répéter. Hein. Quand le nombre orange apparaît, il faut lever le stylet! Ok? Levez le stylet, hein. Vous avez compris? Salut Isiol, salut Manapi également. Et voilà, la cape du réussi. Wouah, qu'est-ce qu'il est trop fort. GG Elliot. Bien, à toi de jouer. Tu dois d'abord trapocher de ce Posipi. Bon, là j'ai pas trop le choix. Hein. C'est un Posipi sauvage. Capture go. Bon. Regardez. Je fais des boucles, mais il n'y a pas le Pokémon dedans, du coup ça marche pas. Oh, mais il attaque pas. Mais il attaque pas, mais il est trop facile. Bon, d'accord, c'était la première capture du jeu, on a capturé Posipi, on est trop fort. Ouais. Joli, tu t'en sors admirablement bien pour une première capture. Merci beaucoup. Eh bien, je ne m'attendais pas à tout ça. Cependant, je dois dire que je ne suis pas mécontent. Ah, cela m'a permis d'évaluer ton potentiel. Oh, c'était... Mais non, pas du tout. Comme il est trop fort d'aller à Jésus, mais tellement. Le Démolos est suffisamment calmé, je pense. Allez, mon grand, rentre chez toi. Tu es libre. Oh, il l'a libéré. Je viens juste de relâcher ce Pokémon. Relâcher un Pokémon signifie que de le remettre en état de liberté dans son habitat naturel. Oui, parce que je pense pas que là, près de la mer, il y a des Démolos normalement. Hein, mais bon, c'est pas grave. Les rangers ne peuvent pas garder un Pokémon avec eux, à moins qu'ils n'y soient obligés. D'accord. Eh, je dois m'acheter le jeu Pokémon Ranger. Jon est que 1 sur 3, j'ai rien compris. Tiens, on dirait que le Posipi s'est pris d'affection pour toi. Malheureusement, il ne peut pas rester avec nous. Les Rangers ne peuvent pas sortir les Pokémon de leur habitat naturel. Tu dois relâcher ce Posipi. Au revoir, Posipi. Il s'est envolé dans l'eau. Oups, je l'ai oublié. J'ai un certificat à te remettre. C'est une attestation officielle disant que tu es un ranger. Normalement, il faut passer un examen d'abord. Oh, mais... Et ce n'est qu'une fois l'examen réussi qu'on peut recevoir le certificat. Mais oublions cet examen! J'ai vu comment tu t'es débrouillé en situation. Tu as résolu le problème avec brio. De ce fait, tu mérites d'avoir le titre de ranger. Lis ce certificat, bien attentivement. Apposite ta signature, s'il te plaît. Serment du ranger. En tant que ranger, je fais le serment de toujours aider ceux qui en auront besoin et de protéger la nature de mon mieux avec courage et fierté. Ah, c'est le moment où je dois écrire mon pseudo. Alors. Ma signature. Dahlia. Voilà. Bonjour. Ok. Wing. Oui, c'est sur DS, salut. Là, sur DS. Vous vous appelez Dahlia, effectivement. Waouh. Ouf. C'est bon. Je suis Ranger. J'ai fini le jeu. Je suis Ranger. C'est bon. Félicitations, Dahlia. Tu es maintenant un Ranger à part entière. Ceci dit, tu es un Ranger débutant. Et tu n'y connais absolument rien. Effectivement. Tu dois acquérir de l'expérience. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas de temps à perdre. Nous allons prendre la voie des airs pour nous rendre à Printiville. Par ici. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Désolé de t'avoir fait attendre, à passe de pique. À toi. Oh. Dahlia, t'irais mieux, non? Va te faire foutre. On gagne ses diplômes comme ça? Eh, hey, salut, Bardoise. J'espère que tu vas bien. Salut Isuka également, ça va bien. On vient de commencer le jeu. On a capturé un Posipi, qui d'ailleurs nous a rejoint. Étonnamment. Le Posipi nous a suivi. Oh, Negapi. Ah, il s'est barré hein, par contre. Hein. Il doit être intimidé d'en se retrouver dans un environnement inconnu. Il reviendra sûrement plus tard, et il faudra alors le ramener dans son habitat naturel. Bonjour chef, l'unique. L'unique, c'est moche comme nom.
Oh bonjour, c'est toi la nouvelle recrue? Ah, je m'appelle l'unique. Putain, faut m'y faire à son putain de prénom. Enchanté de faire ta connaissance. Comment t'appelles-tu? Ah, c'est Dahlia, notre tout nouveau ranger. Ah, Dahlia, je m'en souviendrai. Ah, bienvenue dans l'équipe. Nous allons être amenés à travailler ensemble. Faisons de notre mieux. Je te présente mon Pokémon partenaire, Negapi. Allez, dis bonjour. Non, c'est un Pokémon. Il ne peut pas parler. D'accord? Fais des cris, si tu veux, mais... voilà. Maintenant que les présentations sont faites, allons à l'intérieur. Ok. Le bâtiment est la base ranger de Printiville. Allez, entrons. Ok. J'adore. C'est qui lui? Samy. Ah ouais, ouais. Ah, j'ai entendu parler de toi. Ah, c'est toi qui as bombardé le chef de lettres, hein, c'est ça, hein? Ah, je les ai lus, tes lettres. Non mais, normalement, les lettres, c'est intime, bordel. Hein. Pourquoi il les a passées à ce gros-là? On peut dire que tu sais bien t'exprimer. Ah, je m'appelle Samy, au fait. Mes amis m'appellent Samy. Hein? Quoi? Je suis un ranger depuis, oh, déjà 3 ans. Mais mon grade ranger n'a pas beaucoup monté en 3 ans. Hein. Ah oui, le grade ranger, tu sais, pas facile ce truc. Hein. Eh ouais, voici mon partenaire, Ramolos. Ah, j'ai pas vu. Ravi d'avoir fait ta connaissance. D'accord, c'est super. Ah bien, votre attention, s'il vous plaît. Mm-hmm. Ceci est la base ranger de Printiville. Oui, tu l'as déjà dit 4 fois, je crois. Hein. À compter d'aujourd'hui, Dahlia, tu es membre de cette base. Ceci dit, tu vas devoir faire tes preuves avant que je te considère comme un ranger confirmé. Putain, mais tu m'as donné mon diplôme, bordel. Il y a des tas de choses que tu vas devoir apprendre. Te sens-tu vraiment à la hauteur? Bien, cette lueur dans tes yeux parle pour toi. Ah, tu n'as pas encore le savoir-faire d'un ranger, mais tu en as l'esprit. Travaillons tous ensemble à Printiville et faisons tous de notre mieux. Très bien. Le gros balou. Le gros lourd. Putain, merde, quoi. Il dit que c'était le plus rapide des deux. Mon Dieu, comment il doit être lent, le gars. Oui. On a bien vu, hein, comment il se prenait. Ouais, c'est court, hein, j'ai besoin d'aide. Écoutez-moi, monsieur le ranger en chef. Mon précieux Pokémon s'est enfui dans la forêt Lila. Dépêchez-vous d'aller capturer mon Pokémon et mettez-le en lieu sûr. C'est une mission parfaite pour Dahlia, ça. Va dans la forêt Lila et capture le précieux Pokémon de Hugo. Ce sera ta première mission. Ne crains pas l'échec. Fais de ton mieux. Une mission a été confiée à Dahlia. Ouais. Alors, on a la meilleure Corée, hein, quand même, hein, de tous les dresseurs, nous. Enfin, de tous les rangers, plutôt. On a la meilleure Corée. Et merci, Madness, pour tes 3 balles. Et c'est quoi ton message? Que j'ai pas lu. Si c'est pas suffisant pour Bad Breeze, je suis deg. Ce jeu... Et juste génial. Et puis, comme les donjons mystères, ils ont été déclinés en termes de qualité. Et des bisous d'Aliette. Voilà. Et non, tu n'as pas vu Tubris. Je crois que tu es déçu. Hey, ai-je bien entendu? Ne crains pas l'échec, vous avez dit? C'est une blague? Il faut que ce ranger ait peur de l'échec, au contraire. Vous ne pensez pas que cette mission devrait être confiée à un ranger plus expérimenté? Ah ah ah, mais enfin, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La forêt Lila se trouve à la sortie de Printiville. J'y vais, nous nous retrouverons là-bas. D'accord. Ce n'est pas mon jour de chance, je demande au ranger en chef de m'aider. Et je me retrouve avec un dresseur débutant, un ranger débutant. Je me demande ce qui pourrait bien m'arriver de pire aujourd'hui. Oh, ça va, calme-toi là! Putain, ne fais pas attention à lui, Dahlia. Je suis sûr que Hugo ne pense pas un mot de ce qu'il a dit. Il est juste fou d'inquiétude. Ah, je vais te donner quelques infos sur le capstick. Le capstick ne sert pas uniquement à capturer les Pokémon, il a d'autres fonctions. Oh, Dahlia, ton capstick, il est éteint. Qu'est-ce que tu fous? Regarde, tu dois le mettre comme ça. Ouais, d'accord. J'ai 4 PV. Tout d'abord, voici comment ouvrir le menu. Touche 4 en haut à gauche. Oui. Voilà. On a mission relâchée, carte, option... quitter, navigateur et glossaire. On a quoi dans les options? Rapide, le cadre type 7. Pas grand chose. Ok. Bien. Le capstick est vraiment un outil extraordinaire. Il t'indique aussi le lieu où tu te trouves et donne des informations sur les Pokémon. Les données s'affichent sur l'écran supérieur. Et il te permet aussi d'interrompre la partie
si tu veux te reposer un peu. Voilà, tu devrais y jeter un œil. Bonjour, je suis ravi de faire ta connaissance. Quand tu auras besoin de recharger ton Blapsip, viens me voir. Ah oui, si tu souhaites sauvegarder les activités de Ranger sur ton Blapsip, tu dois toucher cette borne de sauvegarde. D'accord. Bah, je pense qu'on va sauvegarder déjà, hein, ça va être bien, voilà. Comme ça, on va effacer la dernière sauvegarde. Oui, attention. Oui, merci beaucoup. Merci Madness pour les 1 balle. Il reste 200 points de vie maintenant à Brice. Il te reste encore 1 balle à donner. J'espère que tu es heureux. Hugo, c'est un mec cool en vrai. Brice TV, tu mourras. Bon, du coup, il faut se rendre à la forêt à Lila. C'est Hugo, lui, non? Ah non. Dit. Nous sommes à Printiville, mais la région s'appelle Fior. Vous le saviez? Vous ne saviez pas qu'il y a plein de Pokémon qui vivent dans la région de Fior? Non, c'est vrai. Vous le saviez? Ouais, forcément, quoi. La Printiville est émergée dans la nature et a beaucoup à offrir. J'adore cette ville, car les Pokémon et les hommes y vivent en harmonie. D'accord. Gros Malabar? Attends, quoi? D'accord, quoi? Est-ce que le respect est un peu mort? Le mec s'appelle Gros Malabar. Et merci, Madness, pour ton don de 1 balle. Qui, eh bien, te propulse au stade, eh bien, de boss du streaming. Et oui, c'est incroyable. Gros Malabar, ok. Je ne pense pas que vous connaissez. Comment vous vous appelez? Oh, laissez tomber, je me moque bien de votre nom. Mais va te faire foutre! Vous n'êtes qu'un ranger de passage, n'est-ce pas? Sniff. Ah, ce que j'aimerais n'être que de passage, moi aussi. Mais j'habite ici. Ah oui! Ah! Ah oui, d'accord! Ah ouais! Ah ouais, c'est... Ça pose les bails, hein. Allez, Dahlia, comment tu te sens avant ta première mission? Pas trop nerveuse? Ah, oh, ça risque d'être drôle, je t'accompagne. Pourquoi ça va être drôle? Vas-y. Il est là. Omaewa, Moshindeiru Nani. Ne criez pas l'échec, mission pour débutants. Ok, super. Bon, mais là-bas, il semble à Dahlia. Alors, tu commences ta mission pour débutants. Ah, s'il te plaît, hein, YouTube, hein, ne mets pas no ad friendly, s'il te plaît, ça serait gentil, même si j'ai fait un doigt d'honneur. Ah, voilà. Tu peux capturer le Pokémon de Hugo. Qui s'est enfui dans la forêt de Lila. Tu dois rapporter le Pokémon à Hugo qui t'attendra ici. Ça ne devrait pas être une mission trop difficile. Bon, c'est quel Pokémon d'ailleurs? Parce que bon, voilà, c'est quel Pokémon? Bon, si vous savez, c'est... Non mais sérieux. J'ai sur bout de la langue, c'est un... Ah, je suis contrarié, je n'arrive pas à me rappeler. Il est puissant et élégant à la fois. Il a l'air très raffiné. Mais en fait, il est plutôt maladroit. Enfin, c'est un Pokémon quoi. Ah, super. Bah, ça nous aide pas beaucoup, là, ça, hein. Alors, Dahlia, tu vois de quel Pokémon Hugo veut parler? Alors, je vais y aller avec toi. Alors, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu peux me demander. Je ne crois pas que tu devrais prêter attention à la description de Hugo, hein. Non, mais sans blague. Merci, hein, merci de me préciser. On a un Pokémon, là. Un Germignon, Kidox. C'est un Germignon sauvage. Capture Hugo. Ah, j'ai capturé. Ah oui. Je l'ai capturé. Kidox. J'ai reçu de l'expérience pour capturer un Germignon. Waouh. Germignon est adorable. Jolie capture. Je savais que ce Pokémon accepterait ton amitié. Waouh. Il y en a un autre. C'est un Germignon sauvage. Mais il attaque pas. Il est nul. Il est nul. Germignon, même dans Ranger, tu te fais victimiser. Parce que même dans Ranger, tu te fais victimiser, Germignon. Putain. Ah, un machin, là. Zigzaton. Un chausson. Zigzaton sauvage. Ouais, il va vite, lui. Ah bah. Fini. Capturé. Lol. Et je reçois 9 d'XP. Waouh. Zigzaton se blesse toujours en zigzagant. Il est drôle, là, regardez. Ah ouais, c'est drôle. Ah. Bon, j'ai capturé 3 Pokémon. C'est bon ou pas? Hugo? Le Pokémon que vous écoutez n'aime pas mon Pokémon. C'est un Pokémon sauvage. Le mien est bien plus doux. Il est aussi rugueux.
Ah, je vous le répète une dernière fois, retrouvez-moi en face du Pokémon. Ah, le gros lourd, quoi, genre... Ah, c'est pas ça? Est-ce que ce serait pas Nirondelle? C'était une Nirondelle de quelqu'un, c'est écrit, c'est quelqu'un, il a quelqu'un. C'est à lui. Merde, j'ai niqué. Mais, Nyxtaras, il me nique. Non! Ah! C'est bon, capture. Voilà. N'ai rien vu. Allez, c'est capturé. Type vol. Nirondelle vole être rapidement dans les airs. Capturez-le quand il se repose. Ah, merci beaucoup du conseil. Votre aval, Dahlia. Ce Nirondelle est le Pokémon de Hugo. Je suis désolé, je ne savais pas, mais j'ai préféré. Je le savais, mais je vais préférer ne rien dire. Ah oui, d'accord. Alors je voulais voir comment tu t'en sortais sans mon intervention. Je vais voir si tu aurais assez de force et de ténacité pour régler ce problème avec aussi peu d'informations. Tu as réussi haut la main. Allez, ramenons ce Pokémon au pauvre Hugo. Oui, d'accord. Gros bolos, non? Tiens, récupère ton Pokémon de merde. Oh, mon Nirondelle, chérie! Biou! Ah, je m'excuse pour ce que j'ai dit avant, hein. Merci. Ah, ça montre que le ranger en chef sait reconnaître le talent quand il le voit, hein. Oh, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, hein. Merci encore. Tiens, mais les gens, ils nous haïssent, en fait. Heureusement qu'on est fort. J'aurais pas pu dire que c'était un Pokémon oiseau, ce compte tellement. Tu as réussi, félicitations. Ah, tu veux savoir ce que j'ai eu à faire lors de ma mission pour débutants? J'ai dû retrouver le Nirondelle de Hugo, moi aussi. Ah ouais, félicitations. Tu as réussi ta mission pour débutants. Tu es maintenant un ranger à part entière. Ah, merci. C'est quoi ça? Au secours, monsieur le ranger en chef! Les arbres ont pris feu! Quoi? Comment? Décidément, il s'en passe des choses aujourd'hui. Allez, tu vas devoir combattre le feu. Mais merde! J'ai pas de... What? Dans une situation comme celle-ci, il faut éliminer une cible, comme on dit. Éliminer une cible consiste à résoudre un problème en utilisant l'aide d'un Pokémon capturé. Je vais t'expliquer en prenant l'exemple de cette herbe. Il faut d'abord toucher la cible pour l'examiner. Vas-y, je touche. Normalement, vous allez sur l'écran, là, du haut. Voilà. Capacité terrain nécessaire, une goutte d'eau. Voilà. Éteignez le feu avec de l'eau. Dans ce cas précis, tu verras l'icône goutte d'eau en dessous de la capacité terrain nécessaire. Cette icône montre qu'une capacité terrain de type eau est nécessaire. Autrement dit, l'eau permettra d'éteindre le feu. Dans notre cas, nous avons besoin aussi d'un Pokémon ayant l'icône aquatique goutte d'eau aussi pour éliminer la cible. Je vais aller chercher un Pokémon pour utiliser la capacité terrain goutte d'eau. Ok, nous, on fait rien, du coup. Notre chef est incroyable, incroyablement rapide pour ce qui est des captures. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Il revient déjà. Ok, super. Oh, Gobu! Le speedrun! Ce Gobu est un Pokémon qui peut contrôler l'eau. Nous allons toucher le Gobu pour nous assurer qu'il est bien l'icône aquatique. Ouais. C'est le cas! Bien, la capacité terrain du Gobu est bien du type eau, dont nous avons besoin. Qu'est-ce que cela signifie quand la cible et le Pokémon ont la même cible de capacité de terrain? Cela signifie que le Pokémon peut éliminer la cible. Regarde bien. Je vais te montrer comment éteindre ce feu grâce à la capacité de terrain de Gobu. D'abord, il faut toucher le Pokémon. Oui. Ensuite, il faut tracer une ligne allant du Pokémon à la cible. Recevoir l'aide du Pokémon Gobu. Lorsque la cible et le Pokémon sont reliés, il se met à briller. C'est tout. Oui. Waouh. Incroyable. C'est ça, pendant qu'il m'explique, l'arbre a le temps de brûler et même la forêt. Hein. Merci Gobu. Tu as vu? C'est comme ça qu'on élimine une cible. C'est ton tour, Dahlia. Éteins le feu de l'autre arbre. Putain. Il est où le Gobu? T'es où? C'est ça? Il est là-dedans? Un Gobu? Ouais, c'est un Gobu. T'es un Gobu sauvage! Non! Moi je me suis arrêté à 1. Non! Ah, je suis nul, hein. Je suis 100% nul, hein. Faites un don si je suis nul. Je <t'ai... rire> Je suis nul, ça c'est sûr. C'est une chose certaine. Allez, le Gobu. Ok, on l'a chopé. Allez, Germignon, vas-y, fais-le. Éteins-le. Va dans le feu, Germignon, va dans le feu. Va dans le feu, Germignon. Putain, il veut pas, ce con. Germignon ne veut pas aller dans le feu. Je comprends pas pourquoi. Ça veut pas. Les flammes de la cible de l'arbre feu sont éteintes. Merci Gobu. Waouh.
Si ce n'était pas une épreuve du feu, ça, mais tu as réussi. Incroyable blague, ça. Mission accomplie, mon gars. Si seulement Germignon serait en feu. Eh oui. Merci. En fait, c'était de ma faute. J'ai fait une bêtise. Les arbres ont pris feu à cause de moi. Je jouais au Ranger et j'ai essayé d'attraper un Pokémon. Il a eu peur et il a craché du feu. Et les arbres ont pris feu. Ah, je vous demande pardon, hein. Ah, mais je vais essayer d'en apprendre plus sur les sentiments des Pokémon, hein. Juré. Ah, je ne leur ferai plus, hein. Ah, ouais, bien sûr. Ouais. Viens parler, petit. T'as fallu du courage pour avouer ça. N'oublie jamais ce que tu as dit. Bien, nous pouvons retourner à la base de Ranger. D'accord, merci, Elliot. Ah! Voulez-vous sauvegarder les activités? Oui. Ah oui, je sauvegarde. Oh là là. Que d'émotion, hein. Que d'émotion. Tu as fait du beau travail sur cette mission. Alors, on va dire, je ne pensais pas que tu arrivais aussi facilement. Continue comme ça. L'unique, Dahlia. Je veux que vous alliez patrouiller dans Printyville en attendant la prochaine mission. S'il se passe quoi que ce soit, prévenez-moi immédiatement, compris? Bien, chef. Ouais, c'est ça, fais le beau gosse avec ton capstick. Le travail d'un ranger n'est pas juste les missions. Nous devons aussi patrouiller. Il y a encore plein d'autres choses. Allons en ville à écouter ce que les habitants ont à nous dire. Ok. Ok, ok. Bah, j'ai plus mes Pokémon. Ils se sont barrés, je suppose. Ah, tu as entendu ta... Tu as entendu ça? C'était le cri d'un Pokémon. Oui, effectivement. Ça venait de là-bas. Ah, c'est Posipi et le Nirondelle de Hugo. Attends, voyons. Attends, Nirondelle chérie. Calme-toi, je t'en prie. Calme-toi, mon petit Nirondelle. Le Posipi est pourchassé par un Nirondelle. Mais c'est le Nirondelle de Hugo. Sans blague. Nous devons aller aider le Posipi. Nous devons capturer le Nirondelle pour qu'il se calme. Ok. C'est le Nirondelle de Hugo. Oui. Allô? Je peux pas! Regarde, Dahlia, regarde le Posipi. Oui? Ah, il a fait de l'électricité! Mon dieu, c'est un Pokémon électrique! Ah bon? Je savais pas. Le Nirondelle est en état de choc, il ne peut plus bouger. Vas-y, Dahlia, capture le Nirondelle et calme-le! Ah ouais? Ah ouais, je profite de la faiblesse des gens, moi. Je suis un mec comme ça. Ah oh ouais. Nice. Ah, oh, tu as réussi, Dahlia. Eh oui. Ça, par exemple, Dahlia, vous avez beaucoup, vous avez de nouveau capturé mon Nirondelle. Oh, merci beaucoup. Hein. Ouais, bah, oui. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi votre Nirondelle pourchassait-il ce pauvre Posipi? Voilà ce qui s'est passé quand j'ai récupéré mon Nirondelle. Ah, j'étais fou de joie. Hein. Alors, je l'ai serré bien fort dans mes bras. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, je crois que ce pauvre Posipi a été jaloux de voir comment je m'occupais de mon Pokémon. Hein. Alors, il a commencé à embêter mon Nirondelle. Mon Hirondelle a essayé de l'ignorer, mais le Posipi a tellement insisté qu'il est devenu furieux. Ah, oh, je vois. Posipi, tu ferais bien de présenter tes excuses au Hirondelle. Hein. Ah, Zippy, hein. Pauvre Posipi, peut-être qu'il se sent seul. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Hirondelle chérie, on pardonne au Posipi et on rentre à la maison. Ah ouais. Piou! 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 Bon, Posipi, qu'est-ce que tu fous? Zippy! Hugo a peut-être raison, ce Posipi doit se sentir seul. Regarde, on dirait qu'il t'aime bien, Dahlia. Il a envie de se faire dorloter un peu. Mais non, mais il va me faire une petite attaque électrique, on va bien se sentir. Dahlia et Posipi ont établi un lien émotionnel. Les données du Posipi ont été enregistrées dans le navigateur. Dis, Dahlia, tu connaissais ce Pokémon, non? Raconte-moi. Ah, je vois. Ah, tu l'as vu au port de Automel? Oui. Il se battait avec un Démolos, et il s'est attaché à ta jambe pour venir à Printyville avec toi. Eh bien, c'était plutôt mouvementé, dis donc. Oh, je sais, Dahlia, tu n'as peut-être pas encore de Pokémon partenaire, n'est-ce pas? Je crois que ce Posipi ferait un partenaire idéal pour toi, j'en suis sûr. Posipi est devenu mode partenaire. Ok, comme ça. Ok, j'ai bien. Ouais, c'est réglé. Ok. Tu en as de la chance, Posipi, à partir de maintenant, Dahlia et toi, vous êtes partenaire. Ok. Admettons-nous, remettons-nous à patrouiller. Posipi, tu nous suis. Hein. Bon, bon, patrouille. Hein. On a un partenaire. Ça s'est décidé comme ça. Hein. On peut aller là. Eh, GGVG. Hein? J'ai pas la référence, là.
saute sur notre dodio et participe au concours de capture. Ouais, je sais que je l'ai pas dit, mais en fait, on n'est pas encore prêt. Pardon, reviens nous voir, d'accord, hein. Ah, d'accord, c'est pas bon. Je voulais voir Suicune en Pokémon partenaire. J'avoue, c'est pas mal. Bah, y a rien à faire, non? On va dans la forêt. Où vas-tu? Ah, d'accord. Excuse-moi, hein. Je peux aller dans la maison? Ah oui. D'accord. Bonjour. Je rentre chez les gens et je m'en fous. Vous savez quel est mon Pokémon préféré? Essayez de le deviner. C'est Pikachu, je le trouve mignon. Mais je m'as même pas essayé de l'essayer de deviner. À Printiville, c'est tous les jours le printemps. C'est agréable. Ah, je me prends pas. Mais parfois, il me vient une envie irrésistible de faire la sieste. Ah. Faire la sieste debout, toi? Mais bien. Pichu préfère quand même Germignon. Bon, y'a rien à faire ici. Ah, c'est chez Hugo, tiens. Ah, tu sais, j'aime vraiment les habitants de cette ville, hein. Oui, non, mais je m'en fous, je veux pas parler à toi, moi. Ah, je suis désolé des problèmes que mon père vous a créés, hein. Ah, je comprends qu'il adore son Pokémon, mais là, il est passé borne. Ah, il est tellement après son hirondelle que le pauvre Pokémon doit s'enfuir pour être un peu tranquille, quoi. Il est persécuté! Dahlia, c'est bien ça? Ah, je vous remercie de m'avoir aidé. Ok, super. Je me casse. Bon, y'a quoi à faire? Toi, tu me parais ouf, toi. Hein? Oui, bon, ouais, d'accord. Tu dis la même chose, en fait. Et toi? Et l'autre maison? Il y a trois maisons. Y'a rien à faire. Ah, il aimerait avoir un Pokémon partenaire. Ah oui, mais non. Non, non, c'est le mien. Pas touche. Pichu est trop mignon. Ouais, Pichu, c'est dans le 2, par contre. Hein. C'est dans Ranger 2. Bon, du coup, on retourne dans la base, en fait. Bon, voilà. La partie est terminée, chef. Très bien. Tiens, mais c'est un Posipi que je vois là. Ça ne serait pas celui qui nous a suivi d'Automel. Eh oui, exactement, on est tombé sur lui pendant qu'il en patrouillait. Ce Posipi est un sacré garnement. Il a créé pas mal d'ennuis. Mais il semble se rappeler comment d'aller lui apporter secours. Je vais vous expliquer, chef. Ce n'est pas la peine. Je comprends. Dahlia a choisi ce Posipi comme Pokémon partenaire, n'est-ce pas? Je trouve qu'ils vont bien ensemble, tous les deux. Oh ouais. Ah, je vais t'expliquer ce qu'est exactement un Pokémon partenaire. Chaque ranger a le droit d'avoir un Pokémon comme partenaire. Il doit y avoir un lien émotionnel entre le Pokémon et le ranger, comme s'ils étaient des amis. Les Pokémon ne sont pas là que pour tenir compagnie au ranger. Leur rôle est de l'aider. J'espère que ton Posipi deviendra un bon Pokémon partenaire. Bah, je vais te rappeler, je vais te parler de ce que peut faire ton Posipi. Mon Egapi est du même type que lui, alors je m'y connais. D'accord. Oh, Herbaf. Si tu veux utiliser le pouvoir de ton partenaire, c'est très facile. Ton Pokémon partenaire devra puiser dans son énergie. Ton partenaire gagne de l'énergie en traçant des boucles autour des Pokémon lors des captures. Ok. C'est l'énergie du partenaire. À chaque fois que tu traces une boucle autour du Pokémon ciblé, la jauge du Pokémon, enfin du partenaire, se remplit. Ok. Je vais tracer les boucles autour du Pokémon. Regarde, la jauge du partenaire se remplit. Waouh. Vas-y, montre-nous. Waouh, ça augmente, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il est fort, l'unique. Tu vois, l'énergie du partenaire est rechargée. Lorsque la jauge du partenaire est pleine, tu es prête. Ok. Alors, pour utiliser la puissance du Posipi, touche l'icône en bas. Ok. Tu as vu comment l'écran a changé? Tu dois choisir le Pokémon, quel Pokémon soit ton partenaire pour soit un Pokémon capturé. Oui, ok. Touche un Pokémon, les informations sur lui ou la description de son pouvoir s'affichent sur les deux écrans. Ok. C'est le seul et l'unique. Putain, merde. Alors, Pichu. Posipi, putain. Il immobilise tout ça, ouais. Une fois que tu as choisi un Pokémon, ton partenaire, dans notre cas, touche le Pokémon Pokéhead. Le Posipi va utiliser ses pouvoirs pour t'aider avec la capture. Oui. Ah, il est dans la boule. Ah, paralysie, mon gars. Tu as compris comment utiliser le pouvoir de ton Pokémon partenaire? Tu veux que je répète? Non, c'est bon, plus jamais. C'est rassurant d'avoir un Pokémon partenaire pouvant aider les captures. Moi, ça me donne confiance. Ah oui. Chef, s'il n'y a pas de mission pour nous, on pourrait peut-être retourner patrouiller. Voyons, non, il n'y a rien d'urgent. L'unique, tu vas aller patrouiller dans la forêt Nila. Bien, chef. Et moi? Moi? Posipi est un pion, exactement.
Tu sais, je suis très ambitieux, hein. Ah, je vais travailler encore plus dur maintenant que j'ai une concurrente à la base Ranger. Ouais, c'est ça, on est rival. Fais gaffe. Oh là là! Ah, je me suis encore perdu dans la forêt lilas, hein, professeur pressant. Mais peu importe, comment allez-vous, Elliot? Tiens, qui est-ce? Ah, c'est le nouveau Ranger dont vous m'avez parlé. Ah, je suis content de vous voir, professeur pressant. Oui, c'est notre nouvelle recrue, Dahlia. Bonjour, Dahlia. Ah, je suis le professeur pressant, ravi de faire ta connaissance. Je t'en prie, appelle-moi juste professeur. Vous tombez bien, professeur. Je voulais vous parler du nouveau capstick que vous nous avez donné. Vous l'appelez le super capstick, non? Son nom est bien trouvé. Il est vraiment excellent. Mais je suis inquiet, si jamais un outil pareil tombait entre les mains d'une de personnes mal intentionnées. Ne vous inquiétez pas. Seuls les rangers en chef des quatre bases rangers connaissent l'existence du capstick. Oups, je parle un peu trop fort. Mais de toute façon, ce super capstick n'est qu'un prototype. Justement, Agnotte, cela reste entre nous. Mais j'ai eu mon. En fait, j'entends tout, hein. Voilà. Je sais comment améliorer les performances du super capstick. Ah, j'avais tellement hâte de vous en parler que je suis venu d'Autumnel à pied. Voici mon idée. Professeur, attendez un instant. Pourrais-tu me rendre un service, Dahlia? Pourrais-tu aller voir en haut si mon rapace de pique va bien tout de suite? Ouais, genre, ça y est, hein, la diversion, on la connaît toute. Les jeux de mots pourris, putain. Oh là 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 là. Bon, il est où le rapace de pique? Dracolos! Petit Dracolos, c'est à qui? Ranger Dracolos, tiens, le nouveau Ranger, tu t'intéresses au bus Dracolos? Ce Dracolos adore être au service des Rangers. Ce Pokémon peut t'amener à une autre base Ranger en un rien de temps. Je suis désolé, mais il est encore trop tôt pour que tu puisses monter sur ce Pokémon. Quand tu auras fait tes preuves, tu pourras. Dépêche-toi de devenir un bon Ranger, bordel. Ok. Ah, le rapace de pique. Quoi? Comment? Notre rapace de pique? Il se repose, il doit être fatigué de vous avoir porté en même temps, toi et le chef. Mais ne vous inquiétez, il est robuste, il sera mis sur pattes en un rien de temps. Porter deux personnes en même temps était juste un petit peu trop pour lui. Peut-être que je vais devoir escorter le professeur chez lui. Nye. Ok. Me casse. Hop, on retourne en bas. Nid méga Dracolos. Dracolos, c'est ton esclave, oui. Ah, c'est bon, ils ont fini de parler de choses secrètes. Alors, comment va mon raspace de pique? Je vois. Bien, merci. Ah, j'ai une nouvelle mission pour toi, Dahlia. Le professeur pressant va devoir rentrer à Automel à pied. Tu vas escorter, Dahlia? Et veiller à ce qu'il ne lui arrive rien en chemin. C'est ta première mission officielle, Dahlia. Tu vas devoir passer par la forêt Lila et traverser le tunnel Roca. Automel se trouve à la sortie du tunnel. Une mission était confiée, mon gars. La mission. Ah, je suis content que tu m'accompagnes, Dahlia. Je m'en remets à toi. Ok, je me casse. Allez, il nous suit. La diversion ne servait à rien. C'est ça. C'est ça. Du coup, on peut se barrer, hein. Ok. On se tire. Escorter le professeur, mission 1. Parfait. Je ne suis pas si vieux que ça, hein. Je peux encore marcher, hein. Ne t'inquiète pas, hein. Dépêchons-nous, hein. Ok. Bon. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Mais! Ta mère! C'est un chétifleur sauvage! C'est Nécro! Oh mon dieu, il est énervé, hein. Eh, boum, mon gars, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, boum. In the pocket! Nice! On a le chétiflore. Ah oui! J'avais oublié, Elliot m'a chargé de t'apprendre quelque chose, Dahlia. Je dois te parler des Pokéhead. Je vais te faire une démonstration avec le chétiflore que tu as capturé. Avec une Pokéhead, tu peux emprunter le pouvoir d'un Pokémon pour capturer d'autres Pokémon. Regarde-moi bien. Ok. C'est le tuto! Pour utiliser une Pokéhead pendant une capture, il faut toucher l'icône en bas à droite. L'écran va changer et afficher ton Pokémon partenaire et les Pokémon amis que tu as capturés. Il faut alors que tu choisisses, eh bien, le Pokémon qui va t'aider. Voilà, donc c'est Tiflore. Non mais non. Oui, non mais on sait que lui fait ça. Posipi n'a pas assez d'énergie. Voilà, l'herbe de... Alors, de l'herbe pousse sur la ligne de capture, l'herbe bloque... J'ai pas vu. Il y a deux types de Pokéhead. Dans un cas, le Pokémon choisi participe directement à la capture avec une capacité. Ton Pokémon partenaire est de ce type, par exemple.
Dans l'autre cas, le Pokémon choisi améliore les performances du Capsic. Le Chétiflore que tu as capturé étant de ce type. Ok. Pousse de la ligne, l'air bloque les Pokémon et les stoppe sur leur lancée. D'accord. Alors, touche n'importe quel Pokémon de ton équipe et Pokémon, ok. Ok. Donc là, waouh, de l'herbe. Ouais, mais c'est un peu de la merde quand même. Ah si, ça permet de les bloquer, ok, j'ai compris. Ok. Ok, ok. Mais de la fin, eh oui. Ça ne dure pas à l'infini, oui, on a vu le chronomètre. On a vu. Oui. Oui. Oui, oui. Il faut être reconnaissant avec les Pokémon qu'on attrape, hein. Oui, bien sûr. Et le petit Zigzaton qui t'a attrapé. Je pense que tu en sais assez sur les Pokémon maintenant. Tu veux que je répète? Non! La ferme! Le meilleur moyen d'apprendre ce genre de choses, c'est la pratique. Ceci dit, je vais rajouter une chose. Lorsque ton grade ranger augmentera, tu pourras utiliser d'autres Poké-Head. La description des nouvelles Poké-Head s'ajoute au glossaire du ranger. Les Poké-Head dépendent du type des Pokémon, consulte le... Ouais, ok. Oui. Merci. Germignon, je suis sûr qu'il sert à rien. C'est là-haut, hein? Ah non, Gobou. Il veut. Ah, il y a un Gobou! Il arrive au moment. Je vais t'expliquer comment utiliser la Poké-Head O, qui est assez unique en son genre. C'est pas le truc qui fait des bulles, je crois. Hein. Ouais, vas-y. Faut d'abord toucher l'icône qui se trouve en bas à droite de l'écran tactile. Oui, merci beaucoup. Regardons quel pouvoir a ce Gobou. Bah, O. Hein. Touche l'écran tactile pour faire une bulle. Soulevez l'écran tactile pour la terminer. La bulle peut piéger le Pokémon. Ah! Ça qu'on veut. Ça, c'est fort, ça. Faut toucher l'écran tactile, voilà. Tu laisses longtemps et la bulle grossit. Ouais. Faut ensuite lâcher le stylet de l'écran tactile et la bulle est terminée. Si un Pokémon touche la bulle, il est piégé à l'intérieur. Ouais. Il est évident qu'un Pokémon piégé est plus facile à capturer. Sans déconner. Ouais, on les enferme dans une capsule to be Beyblade, j'avoue. Mais attention, au bout d'un certain temps, les bulles explosent. Sans blague. Les bulles peuvent aussi exploser pour une autre raison. Ah. Une bulle qui n'est pas terminée, c'est-à-dire quand le stylet touche l'écran tactile est vulnérable. Si un Pokémon touche la bulle non terminée, il explosera. Bloop. Quand tu fais une bulle, il ne faut pas donc perdre de vue les mouvements du Pokémon. Il y a une technique pour faire flotter les bulles dans la direction voulue. Bah tu la jettes, non? On va commencer par faire une bulle, on ne soulève pas le stylet quand la bulle est assez grosse, il faut pousser le stylet dans la direction. Oui, bah oui, voilà. Regarde bien l'écran supérieur, oui. Oui! Ok. Oui, bon, on a compris, quoi. Nous ne sommes pas débiles! Merci beaucoup pour le tutoriel. Il y a d'autres Pokémon Head pour lesquels... Oui, bon, allez. Hein? Et une dernière chose que je dois te dire. Encore? La bulle doit être assez grande, doit être plus grande que le Pokémon que tu veux capturer. Oui. Ça me paraît évident, mais je préfère te le dire, hein, la bulle, pour pouvoir contenir le Pokémon. Non! Ah bon? Waouh! La bulle, c'est des... C'est pas Eevee, elles explosent, j'avoue. Ma leçon sur le Pokéhead est... Oh, est terminée. Est-ce que tu veux que je la répète? Non! Bien, dépêchons-nous, allez, Automel. Oui! Je veux le capturer, tiens, ce Gobou. Speedrun. Ah ben, les tutos, hein. Les bons tutos. Les bons tutos. Et bob. On gagne de l'XP. Oh mon dieu, le niveau du Capsic a augmenté! Incroyable. L'énergie est montée de 2 unités. La longueur du Capsic de 5 unités. D'accord. Ouais, on a 2 PV! Il va nous faire un tuto dessus? Ah non, c'est bon. Bon. On va marquer une petite pause de publicité. 5 minutes. Donc ceux qui sont sur le Reddit, vous pouvez avancer le temps. Et ceux qui sont sur le live, eh bien vous pouvez rester. On revient dans 5 minutes. Allez vous chercher à boire, un petit café, un petit chocolat chaud, un petit thé. On revient. Sinon la difficulté arrive quand? T'inquiète pas. Soon. On est dans le début du jeu, c'est le tutoriel. Du coup, voilà. A tout de suite les amis. On revient dans 5 petites minutes.
Allez, on est de retour. On va pouvoir reprendre notre aventure, c'est Pokémon Ranger. Donc ça y est, on a eu des aides là du professeur Pressant, machin. On doit l'amener à Autumnel. On va faire donc ça. What? Oh non. Ça y est, les embrouilles commencent. Ah! Des ballots de paille nous bloquent le passage. Là y est, tu as déjà appris comment éliminer une cible, n'est-ce pas? Tu vas pouvoir mettre tes connaissances en pratique. Utilise un Pokémon pour dégager le ballot de paille. Nous avons de la chance, des poussifeux vivent dans la forêt, ont la capacité du feu. Tu dois commencer par capturer un poussifeux. En fait, on va faire tout cramer. Ouais. On va faire tout cramer, nous. On va mettre comme ça, nous. On fait tout cramer. Allez, je te capture. Boum, mon gars. Ouais, donc, ouais, non, il n'y a aucun moyen de faire de acrom sur Pokémon Ranger. Il n'y a personne qui s'est intéressé au sujet. Par contre, sur Donjon Mystère, il y a des moyens. Oui. J'avais déjà fait des vidéos dessus. Allez! Immole tout par le feu! Et voilà. Et c'est ainsi que la forêt prit feu. Merci, Poussifeu. Bon, bah voilà, on peut y aller. Parfait. Des gobous encore. Faut aller où, là? Désolé, il est interdit de franchir ce pont. La forêt est bien trop dense, là-bas. Même des gens s'y perdent. D'accord. Ok. Mais donc pas par là-bas. Ah, un Pichu. T'as un Pichu sauvage. Ouais, vas-y. Quoi? Ah, il suffit de faire une seule ligne. Ah oui, d'accord.
C'est ça, je fous le feu à la forêt qu'on avait juste éteinte juste avant. Aucun problème. Ce qu'il veut lui. Ranger d'Aprindivis, bonjour, es-tu en mission? Quand l'énergie de ton capsule est à un niveau bas, essaye de capturer un Pichu. Les Magnéti, les Pikachu font aussi l'affaire. L'électricité des Pokémon, du Pokémon groupe électrique, recharge les capsules. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est de la vie supplémentaire. Très bien. On est où là? Arbre du milieu. D'accord. Ok. Bah les couilles, hein. Ils ont peur de moi. C'est là ou pas? On ne sert absolument rien. On va être paumé! Ah, c'est quoi ça? Ah, mais j'ai pas coupe. J'ai pas coupe. Même le Chétiflore, il peut pas coupe. Ouais, c'est un peu de la triche, hein. Chétiflore, il apprend coupe, hein, normalement. Hein. J'aurais pu le couper, normalement, en vrai. Bon, du coup, c'est où? Ça y est, il est perdu. Ok, c'est là. A priori. Ce tronc d'arbre nous empêche de passer. Les troncs d'arbres ne brûlent pas aussi facilement que les bois de paille. Ce feu des poussifeux, le feu des poussifeux ne suffira pas. Qu'est-ce que tu vas faire, Nalia? Bah déjà, il faut quoi? Deux! Putain! Un tronc d'arbre, au passage. Oui, bah merci. Je peux pas combi. Ah bah. Ok! Ok, salut Pokématch, bienvenue sur le live. Un Galifeu sauvage, mon gars. Oh, il est vénère, hein. Ah ouais, il est vénère. Allez, vas-y. Pokéhead. Non! Pourquoi? Oui, c'est bon. Incroyable. Gobou, merci à toi. Ben voilà. Nickel. Allez, la ligne, et c'est parti, on fait tout cramer! On fait tout cramer! Et c'est parti, le tronc d'arbre est réduit ensemble, oui, bah oui. Et Gallifeu qui se barre, bah c'est bien. Ok, c'est le tunnel. On doit prendre le tunnel, hein. Donc go. Ouais, c'est ce Pokémon feu quand tu peux voir où il y avait le feu et qu'il y avait des Pokémon feu, et là, foutu. Là, tu peux pas, Nani. Nous sommes presque. Cette mission a été un peu trop facile pour toi, non? Allez, dépêchons-nous. Comment ça, facile? Ah bah, c'est le début du jeu, comme toi, quoi. Quoi ça? Oui, il y a le trio piqueur. À la mémoire du trio piqueur, fidèles compagnons et travailleurs dévoués et ont participé au difficile et long projet du tunnel. Ah d'accord. C'est donc des trio piqueurs qui ont creusé le tunnel. Hein. Très bien. C'est là? C'est fini? On a terminé? Sans déconner. Ouais? Ouais. Quoi? Hein? Flop, flop. Mais qu'est-ce qu'il fout le mec là? On n'a pas terminé du coup. Ok. Je sais pas ce qu'il faut avec ces Magikarp, mais le. Mais ça a l'air intéressant. Ah, j'ai pas coupe, hein. J'ai pas coupe. Oh! Un trio piqueur. Regarde, il y a un Pokémon plutôt rare, un trio piqueur. Oui, bah il s'est barré, hein. En même temps, t'as essayé de marcher dessus. Ce trio piqueur, il s'est enfui dès qu'il m'a vu. Non, mais t'as essayé de marcher dessus quand même. C'est pas très poli de sa part, mais. Wesh. Oh mon dieu! Ah! Il y a un Paras. Quel cri de Mewtwo. D'ailleurs, tu m'entends? Ah, c'était moins une, mais j'ai réussi à ne pas me faire blesser. Tu dois venir me chercher. Il doit y avoir un autre chemin près de toi qui mène à moi. Ah, je t'attends. Bon, je suppose qu'on est obligé de capturer le Paras qui a le truc coupe. Brasse sauvage. Bâtard. Capturé, mon gars. Salut, Eliez. Bienvenue sur le stream. On est sur du Pokémon Ranger, et effectivement, le Paras de type insecte va pouvoir nous permettre de couper la porte! Allez, do it! Oui, go! Allez, Mewtwo! D'ailleurs. Ok, il a coupé la clôture, zbarvé. C'est ce qu'on voulait. Ah, Magnéti, mais Magnéti, il sert à.
Il sert à recharger, non? Vas-y, on va le capturer vite fait. Mais il me semble que le mec m'avait dit si je capture Magnéti, c'est pour recharger ma vie. Hein. Salut Jojo. Ah merde. Ok. Mais tu passes entre les deux rochers. Mais par le souci de scénaristique, tu dois faire le tour. C'est ça. C'est ça. Hop. Ouais, c'est ça. Il est électrique. Aucun problème. Ah, des petites heures. Oui. Je pense qu'il me faut un gros Pokémon capable de tout défoncer. Ah non, d'accord, ok. Ah oui, rien à voir en fait. Ok, on va pas casser les rochers. Que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Groupe Gorok. Ah ah ah, salut grand-père. Le très estimé professeur Pressant, le responsable à la recherche de la Fédération Ranger, je suppose. Le danger nous a pas fait peur. Et on n'aime pas les Rangers, on est du groupe Gorok. Désolé grand-père, tu as quelque chose qui nous intéresse? Oui, que faites-vous? Arrêtez! La bande de petits trous du cul. Hey, merci pour ta coopération. On a le super capsip, merci, désolé, on doit y aller, adios. Hein. Allez, d'accord. Ah oui. C'est fait, bolos. Allez, on a un gros problème. Oh, super capsip, le fruit d'intense recherche a été volé par les bandits disant être du gros groupe Gorok. Ah, si seulement j'avais 20 ans de moins, j'aurais fait moins deux, enfin, d'une bouchée, voilà. Dépêche-toi, nous devons les rattraper. Vas-y, non mais, s'il te plaît, quoi. Mais ils sont même pas partis bien loin, quoi. Alors, vous deux, vous avez cru que la chute de pierre était naturelle? Ah, grâce à nous, vous allez passer un peu de temps ici. Eh, hey, voyons voir, qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur le bouton de la télécommande? Vous êtes prêts? Clique! Ah oui, super. Maintenant, on est enfermé avec eux. Hein. Qu'est-ce que... Hein, on dirait que... Ça a raté? Ah, bravo! Ça a raté, comment on va les rentir maintenant, espèce de gros nul? Quoi? C'est toi qui as fait ce piège? Ah, je n'ai fait qu'appuyer sur le bouton. Ah, ce n'est pas moi qui ai décidé où les pierres devraient tomber. Je dirais bien plus que je deviens quelque chose. Mais ce n'est pas le moment. Allez. Ah non, ça va, il y a la suite. Ah là là. Gorok. Ah bah oui. Oh, barrez-vous. Ok. Oh. Ah oui, lui, il a l'air vénère, lui. Hein. Ouais, il est vénère. Il va nous attaquer. Sur Nephos, ces deux crapules ont dû faire quelque chose pour l'énerver. Allez, à ton capsic, il est suffisamment rechargé. Essaie d'utiliser un Pokémon Head, comme je t'ai enseigné plus tôt, pour capturer le Rhinophoros. Bah, si tu mets tes sentiments dans cette capture, le Rhinophoros devrait se calmer. Bordel! Bon, allez, c'est type 1. Rhinophoros sauvage, mon gars. Ouais, mais t'es vénère. Ouh, il a failli me niquer. Non! J'attends qu'il attaque en fait. Hein. Voilà. C'est bon! C'est chopé! C'est chopé! Ah. Oh bordel! Ah bah oui, forcément, c'est un Pokémon évolué du coup, c'est costaud. Le Rhinophoros a l'air de s'être calmé. Relâche-le maintenant. Mais je voulais le garder moi! Il peut défoncer les rochers quoi! Décidément, les ennuis n'arrêtent pas. Nous avons perdu du temps et nous avons perdu la trace de ces voyous. Nous devrions rentrer à Autumnel et réfléchir aux options qui s'offrent à nous. Par option, je ne parle pas de paramètres du jeu, hein, mais les possibilités que nous avons. Mais merci, bah, j'avais compris, hein, connard. Allez, ce n'est pas le moment de faire des blagues. Dépêchons-nous. Ok. Les Pokémanies ne peuvent pas être sortis de l'environnement naturel. Ah oui. Dégagez. Cassez-vous. Elle est où la base? Ah bah elle est là. Ok. Ah bah, c'est facile. Nous voici enfin arrivés à la base Ranger de Tomel. C'est bien Alia, tu as accompli ta mission. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Ah c'est le vol du Super Capsule qui te met dans cet état. Écoute-moi Alia, ta mission était de nous m'amener ici sain et sauf. Tu l'as rempli, n'est-ce pas? Regarde-moi, je n'ai même pas une égratignure. Alors, nous voici arrivés à bon port, à la base Ranger. En d'autres termes, tu as parfaitement accompli ta mission qui t'avait été confiée. Mission accomplie, mon gars! Wouhou! Et j'ai raté ma reprise de ciel. Super.
Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un mec. Lucas, vous êtes de retour aux heures. Comment va Elliot? Elliot va bien, mais j'ai un petit problème en chemin, là. Ah, c'est assez humiliant. Super Cap Seed, ça a volé, ouais. Qu'avez-vous dit? Le Super Cap Seed a été volé? Voyons en parler dans la base, Ranger. Dépêchons-nous. Ok. Dépêchons-nous. Oui, je vais sauvegarder, ouais. C'est super. Sauvegardons. Paysan niveau 63. GG, boum. GG. Sauvegarde terminée. Merci d'avoir escorté le professeur. Elliot m'a parlé de toi pour un ranger de grade 1. Tu fais du très bon travail. Dahlia, je te fais passer au grade 2. Ah ouais. Deux étoiles, mon gars. Poum. Et ça fait quoi? Dahlia a obtenu le grade ranger 2. Vous pouvez maintenant utiliser la Poké-Aid Combat. D'accord. Professeur, j'aimerais parler quelque chose avec vous. Je préfère qu'on en discute en privé. Passons à l'étage. Attends-nous ici, Dahlia. Ok, d'accord. Et du coup, je fais quoi? Je parle aux gens. Stéphane, salut, moi c'est Stéphane, ravi de faire ta connaissance. À nos chefs, Elliot et Lucas étaient dans la même équipe il y a très longtemps. Ils étaient plutôt rivaux quand ils étaient plus jeunes, mais maintenant ils ont le plus grand respect pour l'un pour l'autre, oui. Dans la Légion de Fior, on les surnomme Elliot, le maître du rapace de pique, et Lucas, le maître du Dodrio. Ok. Je m'appelle Romain, ça serait gentil de ta part de retenir mon nom. Tu dois être un bon ranger. Bah, tu n'aurais pas confié la mission d'escorter le professeur à n'importe qui. Oui. Ah bon. Bah, tu ne vois pas ce que cette mission a de spécial. Il se trouve que le professeur pressant est responsable de la recherche de la Fondation Ranger. Le gaspille dont tu te sers est une de ses inventions. Ah bah voilà. Eh, hey, salut Victoire. Non, pas coup Victoire, non. Oui, excusez-moi, c'est des séquelles, c'est... Voilà, traumatisme. Ça arrive tout le temps. Tiens, c'est uniforme, tu es Ranger, enfin tu vis. Ah, c'est bien la première fois que je te vois. Je m'appelle Victoire. Ta gueule. Je suis Ranger à Autumnel. Tu n'as jamais entendu parler de moi? Eh bien, on voit que tu viens d'arriver. Mais au fait, à qui ai-je l'honneur? Je me prénomme Dahlia. Ah, comme ça tu t'appelles Dahlia. Ah, ce n'est pas un nom mémorable. Mais ça va, ta mère. Et, mais je tâcherai de m'en souvenir. Stéphane, Cisaioxy dans le jeu. Eh ouais, incroyable. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Oui. Vas-y, je m'aligne moi aussi. Ah, j'ai une mauvaise nouvelle. Le professeur pressant a été attaqué par des criminels, un certain groupe Gorok. Ah mais ce n'est pas tout, hein. Ils lui ont volé son super capstick. Le super capstick est la version améliorée du capstick. J'en ai marre de dire super capstick, c'est super chiant. Je ne peux pas vous en dire plus car il est encore en développement. Mais dans les mains de criminels, le super capstick peut se transformer en un outil très dangereux. Il faut à tout prix récupérer le super capstick. Tous les rangers d'Autonel vont être immobilisés. Mobilisés plutôt. Ce n'est pas une mission ordinaire. Les rangers d'Autonel auront besoin de renforts. Je viens de demander à la Fédération Ranger de signaler le vol à toutes les bases rangers. Tous les rangers de la région de Fior auront comme priorité numéro 1 de retrouver ce super capstick. Je vous demande de tous coopérer avec les rangers de toutes les régions, de toute la région, bien évidemment, pour cette mission. J'en suis désolé. C'est de ma faute si on en est arrivé là. Professeur, vous avez entendu? Faites de votre mieux pour mener à bien cette mission. Faites-le pour le professeur. Tout d'abord, nous devons rassembler des informations sur le groupe Gorok. Nous devons tout savoir sur eux. L'enquête devra bientôt commencer sur le lieu du vol, le tunnel Ruka. Tenez-moi constamment informé. C'est tout. Rompez. T'as une opti SH? Même sur le stream. C'est un podologue? Oui, c'est un podologue. Enfin, bientôt. Ça devrait être un podologue bientôt. Stéphane. Oui, tu voulais dire quelque chose? Tu aimerais travailler avec les rangers d'Automène? Je te remercie, Dahlia, mais j'ai bien peur que ton radar de ranger ne soit pas suffisant pour cette mission. Mais j'ai besoin de ton aide pour autre chose. Cette mission va mobiliser tous les rangers d'Automène. C'est pourquoi j'aimerais que tu patrouilles en ville en l'absence des rangers d'Automène. Tu devras aider les citoyens qui en ont besoin. Je te confie cette mission, Dahlia. Une nouvelle mission est confiée, mais oui! Ma que c'était, on va la faire ta mission mon gars. Allez c'est parti. Et des habitants d'Automel, mission numéro 2. Le Capsip a reçu un message. Message de Lucas.
Ça ne doit pas être facile pour toi de te retrouver dans une ville que tu ne connais pas. Aide les citoyens d'Odmel, je compte sur toi. Mais ton message est totalement inutile, mon très cher. Tu le sais, ça. Allez, du coup, on va se déplacer dans cette... Ah, d'accord, ok. Bon, ok, il y a déjà un problème. Bonjour, Ranger, pourriez-vous venir dans mon immeuble? C'est la bagaille, la pagaille, et je me retrouve bloqué. Je vous attends là-bas. Oui, ben attends, il est où? Mais dis-moi où il est, bordel. Bon, à droite, sûrement. Ok, c'est là, c'est juste le seul temps. C'est un bel immeuble, non? Ah, suivez-moi jusqu'à mon appartement. Ouh là 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 là! Quel est ce plan, là? On va suivre cette jeune fille dans son appartement. Ah! Vous voyez, cette caisse bloque le passage. Les déménageurs ont oublié de la prendre. Putain. Je vous en prie, faites quelque chose. Je ne peux pas rentrer dans mon nouvel appartement à cause de cette caisse. Oui. Si j'aurais dit non, elle m'aurait dit poufias. Je vous remercie, cette caisse est vraiment très lourde. Ah, vous avez besoin d'un Pokémon fort pour la déplacer. Un mois Kuita, par exemple. Oui, bon, oui, merci. Putain. Bon, on va essayer de chercher un Makuita. Hein. Est-ce qu'il y en a là, ici? Ekidox, bienvenue. Est-ce qu'on peut rentrer chez les gens comme ça? Ah oui, on peut rentrer. Ah oui, bah, y a un carapuce. Bon, on s'en fout du carapuce. Bonjour, Madame Dahlia. Bonjour. Comment ça va? Moi j'ai plus de jambes, j'ai trop mal. Bah alors qu'est-ce que t'as fait? T'as trop couru? Là, je l'ai cassé. Elle est tombée. Elle est là. Là, sur le bord, elle est entaillée. Il y a une taille. On peut plus, boire. Ouais, elle est pas belle, c'est vrai. C'est ta famille qui nous l'a offert, donc elle est pas belle. Absolument rien de bon, merde. Qu'est-ce qui se passe? C'est Germignon, on a rien dit de mal à propos de Germignon. Non, pas du tout. Bon, faut trouver un Makuita, par exemple, a priori, hein, on nous a dit Makuita. Ah, bah tiens. Eh, ça serait pas un Makuita, ça, par hasard? Un Makuita sauvage. Oh, 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 le bâtard. Petit bâtard. Mais... Eh hey. Enculé! Non mais oh! Ça va pas! Il m'a tapé! Il m'a fait mal! Il gagne 23 points d'expérience. Ah bah putain! Allez, on retourne chez la dame. Allez, oui, je vais t'aider. Ah, il y a même les feuilles à côté. Oh, la caisse a été déplacée. Mais c'est parfait, ça. Ah, merci, je ne savais pas ce que j'aurais fait sans vous. Je peux enfin rentrer chez moi. Vous voulez voir quelque chose? Ah, ouais, ouais. Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attrapez-le! Vite! Ok. Oh là là! Oh là là, ça a l'air d'être les embrouilles, ça. Ok, c'est bon. Embrouille. Fini. Les géants de Mimitos, bah oui, ils ont notre taille. Attends, on a bien XP sur ce Mimitos, hein. Ah, j'ai enfin pour profiter de mon nouvel appartement. Ah, ça a toujours été mon rêve de vivre en ville. Ah, merci, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, mais je ne sais pas m'y prendre avec tes Pokémon. Pourriez le faire partir, s'il vous plaît? Et bien sûr, tout à fait. Au revoir, Mimitos. Voilà, il s'est envolé, hein, bien évidemment, dans la chambre. Et maintenant, on peut aller dans le lit, si tu veux. Hein. Non? T'as pas envie? Non, tant pis. Regarde-moi bien. J'ai entendu. Hein. Tais-toi, va-t'en. Retourne d'où t'étais. Youhou! Vous êtes le Ranger! Mes petits Skitty d'amour se sont enfuis. Je vous en prie, ramenez-moi ces petits chéris au plus vite. Vous connaissez les Skitty. Je te regarde. Hein. Casse-toi. Bon. J'arrive plus à jouer. Elle a cassé. Elle a tout cassé. Oh, quel joli Skitty, qu'il est mignon.
C'est beau l'amour, exact, oui. C'est ce Pokémon, mes bébés chéris sont exactement comme ça. Allez, dépêchez-vous, je vous en prie, ramenez mes petits Skitty chéris au plus vite. Ah ouais, j'ai pas trop le choix, hein. Ah, vous devez le faire immédiatement, hein. Ramenez... Ouais, non mais c'est bon, je suis pas un esclave, putain. Genre, sois gentil. Mais merde. Genre, ah ouais, tu dois le faire, mais maintenant, hein, tout de suite, hein. Sans pression, hein. Tu trouves... Quoi? Ah d'accord, il y en a un sur le toit de l'immeuble, hein. Bon, bah on retourne dans l'immeuble, du coup. Dahlia se fait mettre en PS par un Dahlia, il va avoir fou, c'est ça. Fils de catch, mon gars. En live. Ouais, c'est ça. Il est bien là. Non, je veux capture mes Skitty, laisse-moi tranquille. C'est le Skitty d'Iren. Il a suivi quoi. Capturé. Boum. Allez, 18 d'XP. Bon, il sert à rien ton Skitty, hein. Il est joli, mais il sert absolument à rien. J'ai envie de balancer ma DS à cause de cette putain de quête à la con. Quelle quête? Quelle quête? Bon, on a un Skitty, mais par contre, elle nous a pas dit combien il y en avait, hein. Genre, à tout moment, il y en a 30. Hein. Où je vais, là? Bon, il n'y a pas de Skitty. Celle que tu fais. Ah d'accord, ok. L'instinct build bizarre. N'est pas un Skitty. Tu joues au jeu en même temps que moi en fait, boum. J'ai bien compris. J'ai envie de balancer. Il y en a 7. Oh bordel. Ah oui. Ah la relou. Irène. Ah d'accord, non. J'avais mal compris. Ok, ça c'est le monument qu'ils nous ont dit tout à l'heure, là. Est-ce qu'il y en a vers la base Ranger? Ah non, on n'est pas vers la base Ranger, là. Un Miaouss. Non, c'est pas un Skitty. Bordel. Ah! Là! Mais donne-le-moi! Ça, par exemple, il semblerait que nous avons une poupée. Non mais c'est pas une poupée, bordel, c'est un putain de Skitty. C'est le Skitty d'Irene. Ouais, boum, c'est attrapé, tout ça. Boum. Je suis sur un mode et je me fais éclater par Normand. Ah. C'est triste. Ah, on a pris un niveau. Longueur augmentée. Et on a gagné 2 PVI. On est trop fort. Allez, du coup, on a 2 Skitty. 2 Skitty. Youhou. Ah, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on peut pas courir. Les Acnudes, oui. Ok, on peut pas y aller, je suppose. Parce que, ouais. Okay. On n'est pas allé dans la... La porte est fermée. Ah. Bon, bah, ça résout le problème. Elle s'est barrée où, au fait, Irène? Parce que, bon, elle nous l'a pas trop dit, hein, où elle était, hein. Est-ce que vous pensez qu'il y en a un là-dedans? 100% il y en a un là-dedans. Un pendant... Oui. Oui, il n'est pas ouvert. Ok. Oui, oui, bah lâche-moi. On la grappe. Quoi ces gens? C'est des vendeurs? Ok. Je pense qu'il faut que je pousse une des poubelles. À peu près sûr, ça. Est-ce que eux, ils peuvent pousser les poubelles? Ils peuvent pousser les poubelles, vous pensez, ou pas? Ouais, j'en capture un pour voir. Hein? Ah, il faut coupe. Où est-ce... Ah, Miaouss, il a sûrement coupe, non? Ouais, il a sûrement coupe, Miaouss. Ah, c'est un Miaouss sauvage! Bâtard. Il a voulu m'attaquer. Mais... Arrête de sauter, dis donc! C'est chiant, maintenant. J'utilise pas trop mon Posipi, hein. Bon, allez. Vas-y, t'es rechargé, vas-y, go, parce que... Il me saoule. Voilà, parfait. Nice. 100%, il y en a un là-dedans, mais tellement. Ok, c'est bon, il peut faire coupe.
C'est ce qu'on voulait. Allez, boum. Ça, c'est fait. Eh, Skitty. Il va se barrer. Mais reviens. Reviens. C'est déjà chiant. Allez, il s'est cassé. Faut aller poursuivre. Il est où? Mais il était où? Ah, il est caché, c'est bon. Ouais. Ouais, ouais, moi je veux le Skitty, moi, je m'en fous. Je m'en fous de ton Pokémon. Ok, nice. Et 2-3. Je peux l'attraper lui aussi? Non, non, je peux pas. Ok. C'est quoi là-bas? Je sais pas. Ok. Peu importe. On a capturé le Skitty, c'est ce qu'il nous fallait. Simplement. Qu'il y a quelque chose là-bas. Nous n'avons pas réussi à trouver où se cache le groupe Gorok. Ah. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah bon, Lucas t'a demandé de patrouiller à Automel? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Un ranger de Printivy qui patrouille à Automel. Alors ça, c'est magnifique. Ça va nous aider bien ici. On va retrouver ce groupe Gorok. En attendant que ça me rassure que tu patrouilles. Merci, oui. En fait, si tu veux, Kidox, dans le jeu, les tout premiers Pokémon que tu rencontres, c'est des Germignon. Voilà. C'est pour ça qu'on a parlé de Germignon. Ils étaient dans la forêt du début. Du coup, j'en ai capturé. Je voulais les mettre dans le feu, mais ça voulait pas. Vas-y, on va en capturer un de Ludicolo. Ça a l'air cool, ça. Quoi? Pourquoi ils sont deux? Ah! J'avais oublié ça! Je peux pas l'aider, je peux pas l'appeler en plus. Ah! Ma vie! Ah mais non, mais s'ils attaquent tous les deux en même temps, c'est horrible. Ok. Enculé. Ah, c'est dur. Ah! Vous avez un Pokémon de trop. Oui. Bah, dégage, du coup. Faudrait que je lui redonne ces putains de... Oh! Il y en a un. Je vais le capturer. C'est ce qu'il te dit, Rennes. Faudrait que je la trouve, par contre. Faudrait vraiment que je la trouve, Irène, pour lui rendre ses Skitty, là j'en ai déjà 4. Elle est où? Vous savez où elle est? Bon... Voilà quoi. Peut-être dans une maison. Non. Là c'est le port là-bas. 100% elle est pas là-bas. Non. Possible. Devant le QG. Merci beaucoup, Madness. QG. Ok. On retourne du coup devant la base. Et encore en haut. La ville est grande, hein. La ville est très grande. Ah, là, voilà. Oh, je suis contente. Allez, 1. 2. 3. 4. T'en manques combien? Oui, il me manque encore un Skitty. Bon, 100% c'est celui qui est dans la poubelle du coup. Je pense que je vais devoir capturer le Makuhita. Et donner un coup dans la poubelle. Ok, parfait. Nice. Allez, on va t'utiliser... Je sais pas si eux aussi peuvent donner un coup. Non mais vas-y, please. Ah merci. Je les connais pas les Snubbull, je sais pas s'ils le font ou pas. Merde, j'ai raté. Eh, ils vont vite eux. Ok, nice.
le snubble. Ah, c'est bon. Oui, une snubble aussi le fait. Du coup, c'était 5, pas 7, 6. Ouais, il fallait en trouver 5. Makuta, ça marche. Oui. Parfait. Y'a quoi? Y'a rien? Quoi? Ah si, quand même, j'étais en train de me dire, c'était sûr qu'il allait y avoir un Skitty là-dedans quand même. J'aime pas Germignon. Ah, ça y est, il est honnête avec lui-même. Et c'est attrapé! Un mytho. Tellement. Allez, on va pouvoir amener son Skitty là, Irene, et puis c'est bon. On aura fini sa quête. Sa quête. Ah oui, elle est contente. Hein. Ah oui, elle est contente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tous mes Skitty chéris sont là. Maman est folle de joie, mes bébés. Ranger, je vous remercie du fond du cœur. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Merci de rien. Écoutez-moi, mes chéris Skitty. Maman a eu très peur, très très peur. Ne m'en faites jamais une frayeur pareille. Allez, rentrons à la maison. En file indienne. Dire. Il y en a un qui est tourné de l'autre côté, tu sais. Pourquoi? On sait pas. Bon, je suppose qu'on va avoir une autre quête. Hein. Effectivement. Vous êtes là, n'est-ce pas? Ah, je suis un des assistants du prof pressant. Ah, je ne sais pas, je sais que vous avez du travail, mais nous avons besoin de vous au laboratoire. Vous voulez bien me suivre? Le laboratoire est par ici. Du coup, j'avais pété un plomb sur cette quête. Plus une des quêtes qui vient juste après, c'était Comarche, mais après, c'est plus cool des CNR. Ah bah oui. Là, le labo, c'est ça, ok, d'accord. C'est le laboratoire du professeur présent, vous allez me suivre. Ok. Il m'en manque un. D'aller, puis-je vous demander votre aide? Je dois chercher quelque chose dans la cave. Mais il n'y a pas de lumière en bas. Je n'y vois rien. C'est le professeur qui m'a conseillé d'aller vous chercher, Dalia. Pourriez-vous me faire quelque chose pour que j'ai de la lumière dans la cave? Oui. C'est magnifique. C'est très gentil de votre part d'accepter. Au fait, j'ai un message pour vous du professeur. Voici mot pour mot ce qu'il a dit. Les Pokémon appelés Starry vivent dans le sous-sol du phare. Les Starry peuvent illuminer les endroits obscurs. Voilà, s'il vous plaît, capturez un Starry, amenez-le ici. Ok. Alors, par contre, il est où le phare? Parce que... Ah, il est au port, oui. Oui, bah oui, ça c'est... Oui, ça c'est sûr, le phare est forcément au port, donc on va se diriger au port. On est à combien d'XP, là? Ah oui, il faut 400 d'XP. Je me rappelle plus combien les Ludicolo ils m'ont donné, mais je suis sûr qu'ils donnent max XP. Attends-moi! Non. Ah! Là! On peut descendre. 100%, il y a des Starry du coup. Ah bah ouais. Calme tes tétons. Enfin, t'as pas de tétons, mais calme-toi quand même. Oula, le tour rapide. Il est vénère. Hein. Merde. Ok, c'est attendu. Nice. Et au plein milieu du désert, le phare. Bien sûr. Incroyable ça. Bon, bon, on se barre. Je pense qu'il nous en faut qu'un seul, hein. Enfin, je pense. Mission easy. Allez, go. Tu dois faire une vidéo de victimisation de Germignon et tu mets des commentaires méchants à propos de lui. Mais il le fera jamais. N'oubliez pas, hein, si vous voulez débloquer la prochaine émote, hein, je rappelle, vous pouvez sponsor, devenir sponsor tout simplement. Et du coup, simplement, quand on aura signé son sponsor, eh bien, j'ajouterai la prochaine émote que vous voyez dans la barre en haut là. C'est incroyable. Ah, oh, mais quel drôle de Pokémon! Ça doit être un Starry, le Pokémon a le pouvoir d'éclairer les endroits les plus sombres. Ah, c'est très facile, il suffit de toucher le Starry et il éclairera l'endroit. D'accord.
Ok. Merci. Allez, on va à la cave. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? On voit très bien sans ton... On voit très bien sans... Starry, c'est une ampoule, hein. Ah bien, il y a presque trop de lumière maintenant. Oh, je devrais trouver facilement ce que je cherche. Merci beaucoup. Mais de rien. Les sponsors, c'est tant d'argent par mois. Bon, en fait, c'est tu renouvelles ou tu renouvelles pas, en fait. Simplement. Pas ici, pas ici non plus. Finalement, j'aurais préféré rester dans le noir et ne pas voir toute cette paperasse. Fallait savoir. Hein. Mais sinon, ouais, de base, c'est 5€ par mois, quoi. Mais tu renouvelles ou tu renouvelles pas, quoi, simplement. Tiens, que fais-tu ici? Ah bon, tous les rangers sont en mission. Donc on t'a demandé de patrouiller au Tomnel, oui. Ah, je vois, on est en état d'urgence à cause du groupe Gorok. Bien sûr, tu n'as pas d'expérience requise pour enquêter sur le groupe Gorok, toi. Ah, ne le prends pas mal, Dali, hein, je dis les choses comme elles sont, hein. Voilà, c'est tout, hein. Voilà, hein. Lol. Je l'aurais mis au centre de la ville, le phare. Intelligent, ça. Dis, tu n'as pas entendu quelque chose? Ça semblait venir de la tour de l'horloge. Ne reste pas là. Suis-moi, donc. Oui, oui. Oh, mon Dieu. Le machopper de tout à l'heure. Il est vénère. Mais qu'est-ce qu'il arrive à ce machopper? Capture le machopper. Moi, je te regarde. Je vais voir comme tu te débrouilles. Putain, mais elle est sadique. Allez. On va essayer de le choper. Est-ce qu'il attaque? Oui, il attaque. Ok. Il est vénère. Oh, il est vénère. Nique ta race. Ah! Vas-y. Fais ton attaque. Là, il va sauter. Il saute. Ah! Arrête-toi! Yes! C'est bon! Ghetto d'Azé! Je l'ai! 52 d'XP. On est fort. Vous avez réussi, merci! C'était vraiment trop cool quand je vais raconter ça à mes copines. On va être trop jalouse, wesh! Ah, c'était formidable! C'est la première fois que j'aurai une capture! Le Machopper s'est calmé grâce à la capture. Ah, je suis bien content d'avoir ça, hein. Bravo Ranger, c'était un beau travail. Ce monument est le symbole de cette ville, hein. Mission accomplie! Alors, quand tu arriveras à 10 sponsors, tu mettras un germignon avec une pancarte rejetée. Ça peut devenir un mème, effectivement. Alors que la 4G est en train de nous quitter progressivement. Voilà, elle revient progressivement également. C'était moyen comme capture. Je me demande pourquoi le matchupper est devenu fou comme ça. Non mais ça va, Cam, t'es téton, toi. T'es niveau 35 000, alors. Nous, on est niveau 2. Il devrait aller mieux maintenant, hein. Tu devrais le relâcher. Oui, bah oui. Pourquoi ne retournes-tu pas à la base Ranger? Moi, il faut que j'enquête sur le groupe Gorok. Oui, je vais retourner à la base Ranger, oui. Merci. Ah. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Tiens, c'est un Ranger qui fouinait près de l'usine tout à l'heure. Saleté de Machopper, il s'enfuit sans même me regarder. Il avait réussi à détruire les tours de l'horloge, au moins. Eux, c'est les méchants déguisés, ça, hein, on a bien compris, ça. Hein. Oui, on veut sauvegarder. Oui. Enfin rattrapé. Ah, Madness qui me rattrape. Il fait le jeu en même temps que moi. C'est bien. Hop. Sauvegarde terminée. Beau travail! Les citoyens d'Obtenel sont très contents de toi. Ah, j'ai pas vraiment compris le rôle des rangers dans la société, et tu travailles dur dans ce sens. Dalia, tu mérites une promotion, je te donne le grade Ranger 3. Ouais, mon gars. Nice. Ça nous octroie quoi? Oui. Vous pouvez maintenant utiliser la Pokéhead Poison. Et Psy. Ok. Tu ne prends pas seulement du grade d'Alia, il y a autre chose. Un nouveau segment est ajouté à la jauge du partenaire du Cap-Sip.
lors des passages au grade 3, 5, 7 et 9. En fait, la jauge du partenaire d'un capsic a toujours 5 segments au début, mais nous bridons le capstick. D'accord. Nous désactivons certains segments pour éviter de trop mettre la pression au gain de partenaire. Ton partenaire Posipi est devenu beaucoup plus fort depuis qu'il est avec toi. Je vais donc ajouter un segment à la jauge de ton partenaire. Allez, la jauge de ton partenaire, il revient. Voilà, on a deux segments. Nice. C'est pas sable survivant. Ça, c'est en rapport avec le let's play Duel Lock. Tu n'as pas arrêté de travailler depuis que tu as escorté le prof. Oui. La fatigue doit commencer à se faire sentir. Effectivement. Nous avons un problème dans les aqueducs. Les aqueducs devraient être impénétrables. Impeccables, pardon. Impeccables, meilleur gauche de vases immondes. Comme ce n'est pas normal, je suis descendu voir. Et vous savez quoi? Les aqueducs sont pleins de tas de morve. Je vous en prie, nous avons besoin d'aide. Vous devez faire quelque chose. En plus, l'odeur est insoutenable. Et c'est qui va se charger de cette mission? Hein? Hein? Eh ben oui, hein, c'est nous. Hein? Monsieur l'ingénieur civil du service des aqueducs, vous avez frappé à la bonne porte. Ah, je vous envoyais un ranger. Ah, je savais que vous sauriez quoi faire. Vous êtes l'homme d'action. Vous êtes un homme d'action. Nous n'avions jamais eu de tas de morts dans les aqueducs avant. Nous ne sommes pas à la hauteur. Alors j'ai pensé que le ranger pourrait nous aider. J'attendrai dehors, je compte sur vous. En ce moment, notre ville est assaillie de problèmes. Malheureusement, nous manquons de rangers automnels à cause de l'enquête sur le groupe Gorok. Il ne reste que toi, Dahlia. Tu n'as pas le choix. Tu dois accepter cette mission. De toute façon, un ranger ne peut jamais refuser une mission. Cette mission est donc pour toi. Tu dois capturer les Tannorf qui ont envahi les aqueducs. Un ranger expérimenté sera présent pour récupérer les Tannorf que tu auras capturés. Dahlia, tu es le seul ranger sur lequel nous pouvons compter. Un automel. Ah oui. Ah oui, c'est génial. Hein. Allez, du coup, on va pouvoir eh bien, s'amuser. Et ranger par ici. Ouais, j'ai bien compris, hein, t'inquiète pas. Allez, du coup, on va pouvoir s'amuser eh bien, à aller dans les aqueducs, hein, le petit égout, quoi. Clairement. Invasion de Tannmorv, mission 3. Hein? Message du Capsic. Lucas m'a informé. Ça doit être intimidant de se retrouver dans une ville étrangère, mais je suis sûr que tu vas t'en sortir. L'enquête sur le groupe Gorok nous prend tout notre temps à Lucas et à moi. Tu ne dois pas penser au groupe Gorok, mais te concentrer sur tes missions et acquérir de l'expérience. C'est pour cette raison que je ne veux pas que tu t'occupes de l'invasion de Tannorg. Rends-moi fier de toi. Oui, je crois que j'ai dit de la merde, parce que j'ai lu comme une bite, mais vous avez bien compris. Les égouts, c'est l'habitat des germignons, putain. C'est qui lui? Quoi? C'est une infection! J'essaie de ne pas respirer. Tu es Dahlia, n'est-ce pas? J'ai été envoyé pour récupérer les tas de morphes que tu captures. Ravi de te. Pouah, désolé, mais de cette hauteur. Plus on avance, et plus c'est insoutenable. Ah, je vais t'attendre ici, hein. Voilà. Dès que tu captures un tas de morphes, je viendrai le chercher en courant. Pouah, j'en peux plus, je vais retenir mon souffle. Hein. Ouais, c'est moi qui fais tout le sale boulot, quoi, hein. Comme toujours, hein. Je te jure. Oh, Kalminus. Oh, cool ça. J'ai envie de le capturer. Voilà, je l'ai capturé. Que voilà. Et minus. 18 points d'XP. Ah oui. Ah bah voilà. Un tas de morphes. C'est un tas de morphes sauvages. Oh mais c'est facile à capturer. Mais c'est tranquille. Voilà. Ah ça fait disparaître en plus la vase. C'est parfait ça. On dirait que la vase disparaît quand tu captures un tas de morts. Je le prends, continue comme ça et pouah, je ne supporte plus cette odeur. Allez, j'arrête de respirer. Mais si ça meurt en fait. Voilà. Ok, parfait. Un autre Kalminus, bon, on n'a pas besoin hein. Oh, waouh! Il veut mon cul! Ah! Ah, c'est bon, ils ont eu mon cul, hein. Les écrapinces!
Ah, ils sont... Ils font des petites bulles, ils sont mignons. Petits bâtards avec leurs bulles, là. Merde, deux. Ça suffit pas. Ah, mais arrêtez d'attaquer, bordel. Faites chier, là. Ah, vous avez... Vous m'avez fait chier. Pokéhead. Boum. Niquez-vous. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a raté? Non, c'était bon. Ok. Voilà, sous lance. Pourquoi je m'arrête à 1 à chaque fois? Abonné au 1, tu sais. Il y a un bug. L'écran tactile a bugué. C'est bon. Ok. Pouh. Ah là là là. Nice. Du coup, ils ont une capacité haut. Comme l'autre. Ça, c'est quoi, ça? Ah, il faut deux coupes 2. J'ai pas coupe 2. Ok. Ce qu'il veut, lui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Oui. Oui, ok. D'accord. Tanmorv? Bonjour. Deux Tanmorv. Ok, très bien. Tanmorv. Ah. Là, ça attaque. Est-ce que la traînée, elle me nique? Je sais pas. En tout cas, c'est attrapé. Et capturé. Et le niveau du capstip augmente. On va avoir 10 points de vie. Yes. Pas qu'on veut. Nickel. Comme dans le tuto, du coup. Maintenant, j'ai 10 points de vie. Au travail, comment tu fais pour supporter cette odeur? Mais en fait, si tu veux, moi, je suis... voilà, je joue à un jeu vidéo, en fait, voilà, c'est, du coup, voilà, il n'y a pas d'odeur encore, et c'est plutôt bien. Je vais pouvoir te prendre ce que tu as capturé, je n'en peux plus, je repasse en mode apnée. D'accord. Ok, mec. Ah non, 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 il veut passer le boule. C'est bon. Ok, on peut descendre, du coup. Oh là! Mais là, ça n'a rien à voir, là. Oh, ça glisse, en plus. Il faut les tuer ou pas? On va les capturer, plutôt? Je sais pas. I don't know. Oh! Ah! Il est vénère. Il est vénère. Un. Dommage. Vas-y. Ok, capture. J'ai un PV. Madness qui se fait maltraiter. Ah, il a coupe 2. Coupe 2, on va pouvoir l'utiliser, vous savez, là-bas, là, où il y avait les clôtures. Mais c'est parfait, ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ah, d'accord, on peut tomber. Je savais pas. Ça glisse. Hein. On patine. Ok, je ressors là. Bah, c'est parfait. C'est là où je voulais aller. Bon, je vais me faire choper par les crapins, hein, 100%. Non, c'est bon. Ok. Alors, la clôture hein, qui était ici. Voilà, parfait. Allez, Ratatak, c'est à toi de jouer. Oui. Paysan 64. Incroyable. Ok. Alors, il y a quoi là-bas? Magnéti, pas besoin. Ouais, pas besoin du crocodile pour l'instant. Et des tas de morve. Deux tas de morve. Et boum, mon gars. Incroyable. L'as de la capture, mon gars. Du capstick. Toi, beau travail. Comment tu peux supporter cette odeur, toi? Bah, ça me donne la nausée. Ah, je vais quand même prendre ce que tu as capturé, hein, sans respirer. Hein. Putain, mais arrête de te plaindre, là. C'est moi qui fais tout, là. Oh là là. Le mec. Je te jure. Alors, on continue. Du Caïminus.
mais vite. On peut passer, ok. On peut aller là-dedans? Ah oui. Un peu long, moi. On écrapince. Ok. Porifique, il a quoi lui à faire? Bon, on va le choper au cas où on en a besoin. Je suis pas sûr, mais bon. Boum! Tu vas faire. Il a aucune capacité! Ah bah d'accord, merci beaucoup. Hein. Grave utile. Je crois que je vais devoir me farcir l'écrapince là. Hein. Ouais, je pense que 100% je peux pas le. Je peux pas l'éviter. Hein. Fais ta bulle. Ah dommage. Il va rattaquer du coup. Voilà. Parfait. Nickel. Je suis mort. Eh ben maintenant, ce qui est mort. Oui, vas-y. Je vais les virer les écrapins s'ils me servent à rien en vrai. Faut faire quelque chose là ou je peux pas le passer ça? Ah non, je peux pas. C'est pas destructible. Ok. D'accord. Donc on est bloqué. Et ici? Ah, il y a Victoire. Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce que tu fais ici? T'occupes de l'invasion des Tan Morve? Une mission parfaite pour un ranger qui débute. Moi, j'enquête sur le groupe Gorok. Il semble là qu'un de leurs membres soit par ici. Il m'excusera, mais ça sent vraiment trop mauvais. J'y vais. On m'a confié une mission importante. Je n'ai pas le temps à perdre. Ouais, d'accord, mais... Enfin, ouais. Ça a l'air cool, mais... On respecte un petit peu les gens, quoi. Ah. Ok, de la vase. Ah, putain, je vais tomber dessus. Ah, mais ça me tape! Ah, je suis empoisonné. Et qu'est-ce qui se passe, du coup, si je suis empoisonné? Je perds de la vie? Non, j'ai pas perdu de vie. Je suis pas perdu de vie, hein. Je sais pas, du coup. Ah, par contre, s'ils s'alternent pour faire les attaques, ça va être horrible. Ah, arrêtez! J'arrive plus à vous voir! Bon, ok. Ils m'ont saoulé! Non! Yes! C'est ça qu'on veut. Pouf. Oui, j'en ai attrapé trois d'un coup, du coup. Oui. Les relâches, ils servent à rien. Ah non, il y en a encore un! Ah. Lourdeur! Ok, parfait. Boum! Chopé! C'est bon? Ah, quand je suis empoisonné, en fait, je vais très lentement, c'est ça, en fait? Je pense. Je pense que c'est ça, en vrai. Je peux pas me soigner du poison? Regardez, non. Ah ouais? Ah non, si, ça y est. Attends, quoi? Où je suis, là? Je peux déjà aller là? En tout cas, on a une bande sauvegarde, et on arrive au terme, eh bien, des 2 heures de live, d'épisode. C'était très sympathique. On reprendra, eh bien, évidemment, demain, je pense. Demain, on pourra faire la suite de Pokémon Ranger. Voilà, bon courage pour la suite. Merci d'avoir regardé le let's play et le live pour ceux qui sont eh bien tout simplement sur le live. Voilà, merci pour les dons, hein, Madness. Merci pour les follow, ceux qui ont follow. Et puis du coup on se retrouve demain. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher le pouce bleu comme d'habitude. Et puis d'ici là, on se retrouve demain dans un prochain live. Voilà, ça passe très vite. Et du coup, vous aurez la rediff tout à l'heure. Ceux qui sont sur la rediff, vous pouvez vous en aller. Et du coup, on se laisse. Des bisous tout le monde.
Et bye bye, à demain, bonne soirée, bon appétit, tout ça, tu connais les bails. Tchuss! The top of 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 the top of